Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite livraison en ce temps, ma foi, estival. Il fait super chaud, je transpire un peu, donc si je brille, c'est normal. Donc j'ai reçu du Starims en anglais parce que donc la boîte de base est toujours épuisée en français. Donc j'ai reçu la boîte de base, j'ai reçu l'extension autonome Colony Wars, j'ai reçu l'extension Crisis qui est composée de 4 petits boosters de 12 cartes chacun. Je vais vous faire voir sur la petite extension, vous avez les bases et les battleships, les héros, les événements, les flottes et forteresses. Donc ça c'est vendu en lot de 4 boosters pour avoir l'intégralité de la collection. J'ai reçu l'extension Tyran pour Epic. Epic, si vous ne connaissez pas, c'est un excellent jeu de cartes qui est un petit peu qui peut s'apparenter à Starims. C'est un jeu qui est très rapide, très simple, mais c'est pas du deck building où on va acheter des cartes, on peut jouer en scellé, en draft, en préconstruit, voire en construit. C'est un jeu qui ressemble à Magic, mais avec un petit peu le côté bourrin et très rapide de Starims, c'est très très bon. Et donc l'extension était déjà sortie depuis un petit bout de temps, j'avais déjà tout vendu donc j'en ai récupéré. L'extension, je vais vous faire voir sur la petite caméra, se compose de 4 petits boosters de 12 cartes. C'est vendu en lot de 4, vous avez Drakkar's Rage, Aliens Deceit, Raxa's Revenge et Marcus Command. Donc voilà, l'extension est dispo tout de suite maintenant. J'ai reçu, hop, un petit réassort de gros coffrets Pokémon. Donc c'est Mega Mawile EX, donc j'en ai reçu 2 en anglais, ça va partir très très vite, donc si vous en voulez, je vous conseille de vous dépêcher. J'ai reçu le coffret Zygarde, qui est celui-ci déjà vendu, donc j'espère en récupérer. Donc toc toc toc, magnifique coffret Pokémon, ils sortent vraiment énormément de produits pour les 20 ans, c'est juste super cool. J'ai reçu, alors là c'est un gros coup de cœur, le super coffret en métal de Super Mario. Alors vous pouvez pas le sentir, mais il pèse super lourd. C'est vraiment un super coffret de la mort. Donc c'est un jeu d'échecs. Hein. Vous avez toutes les pièces traditionnelles. Donc, voilà. Vous retrouverez. Hein, j'ai mis plein d'images sur la fiche produit sur le site, mais c'est juste vraiment superbe. Et je trouve qu'en vrai les figurines rendent vraiment très 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 bien. Je suis vraiment très très content d'avoir reçu ça. C'est super cool. On va essayer de pas tout faire tomber. J'ai reçu un tapis de jeu Dice Master Civil War. Donc ça c'est réservé pour un client, mais je vais en recevoir d'autres normalement demain. Donc j'en aurai un tout petit peu. J'ai reçu le tapis de jeu Dice Master Tortue Ninja. Donc je peux pas vous l'offrir malheureusement parce qu'il est fermé. Mais vous avez toutes les zones de jeu bien délimitées pour pouvoir jouer à Dice Master. La zone d'attaque, la zone de préparation, de chaos, etc. Donc ça c'est le tout dernier tapis Dice Master pour Tortue Ninja. J'ai reçu du tapis Starims. Hop. Donc ceux-là ils sont vraiment magnifiques aussi. Sur la petite caméra, voilà, ça donne ça. Donc avec le petit logo, la superbe illustration et les zones de jeu. Hop, 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 on va mettre ça juste sur le côté. J'ai reçu un autre tapis Starims. Magnifique aussi, je trouve. Je vous fais voir sur la petite cam, pareil, vous avez le logo, l'illustration, les zones de jeu. Hop, j'ai reçu du tapis épique. Alors ça, c'est pareil, vraiment magnifique, je trouve. Donc vous avez un petit compteur de points de vie sur le côté du tapis. Donc vous pouvez utiliser des petits cristaux que vous déplacez sur la petite graduation et vous comptez vos points de vie comme ça. Donc ça c'est le Sea Titan, je crois. Je ne sais plus exactement son nom. Ouais c'est ça, Sea Titan Playmat. Il est vraiment superbe aussi. Et pour terminer dans les tapis de jeu, un dernier tapis épique avec le chevalier le chevalier noir, le Dark Knight. Vraiment magnifique. Alors pareil, la petite réglette sur le côté pour compter les points de vie. Hop, hop, hop. Et je gardais le meilleur, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que j'attendais énormément depuis des mois et des mois, le coffret Dice Masters Tortue Ninja. Donc c'est un produit qui n'existe qu'en anglais, qui a priori ne sera jamais traduit en VF. C'est un coffret pour jouer entre 2 et 4 joueurs à Dice Masters. On peut jouer à 4, alors c'est une version un petit peu allégée à 4 parce que vous aurez très peu de personnages par joueur, mais en tout cas à 2 c'est vraiment excellent. Et la grosse comparaison par rapport au petit starter Dice Master qui sort d'habitude à une 20aine d'euros, c'est que là vous avez en plus toutes les autres cartes de la collection, vous avez l'intégralité de la collection dans cette boîte.
Donc j'en ai reçu un tout petit peu, il y en a déjà qui sont partis en expédition dans l'après-midi, donc là il m'en reste plus beaucoup, je vais en récupérer demain, mais ça va partir très très vite et c'est déjà épuisé. Donc je vous fais voir très rapidement, toc toc toc, donc vous avez 92 dés, 48 dés de personnage, 32 dés de sidekick, 12 dés d'action basique, 62 cartes, 48 character cards, 10 cartes d'action basique, 4 rappels. Ensuite vous avez la règle du jeu, 4 tapis en papier, 4 sachets en papier pour mélanger vos dés à l'intérieur, et vous avez la boîte de rangement. Donc je vous fais voir vite fait à l'intérieur, mais je vais surtout vous faire une belle vidéo unboxing comme il se doit juste après cette vidéo. Donc voilà, vous avez le petit rangement ici, tac tac, les cartes, les dés basiques, les dés de personnages, hop, c'est magnifique. Donc voilà, je suis très 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 content d'avoir reçu Tortue Ninja, ça faisait énormément de temps que je bavais dessus en regardant les photos sur le net. Donc c'est voilà, ils sortent beaucoup de produits Tortue Ninja en ce moment. Ça a été les 30 ans je crois en 2014 et ça, ou enfin bon je sais plus, en tout cas c'est les 30 ans soit en 2014 soit cette année. Il y a eu énormément de produits sortis, donc c'est plutôt cool. Bah écoutez, je vous propose de faire une vidéo de déballage de ce produit-là dans une vidéo qui sera publiée juste après. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, la page Facebook, Twitter et compagnie, vous connaissez. Et je vous remercie de me suivre. Et je voulais aussi vous dire qu'aujourd'hui, les soldes ont démarré et j'ai fait énormément de soldes sur du Netrunner, du Pokémon, du Doomtown. J'ai le lot complet, l'intégralité de Doomtown à moins 50%, des figurines pop soldées. Enfin voilà, vous irez voir sur le site, il y a tout qui est bien listé. Eh bien, faites-vous plaisir, merci beaucoup et à la prochaine. Salut !